Je vous présente le Grenache Blanc 2019 en vin de Pays d'Oc. C'est le pilier du domaine, le Grenache Blanc. En blanc, c'est le blanc historique créé par mes parents au début des années 2000. C'est une sélection parcellaire. C'est toujours cette même parcelle qui produit cette cuvée. Ce qui fait que selon l'année, on en a peu, un peu plus. Voilà. Donc c'est vraiment, on ne met dans cette bouteille que les raisins qui viennent de cette parcelle de Grenache Blanc qui est située dans un ancien lac. À l'époque, c'était un lac d'eau douce, aujourd'hui asséché. Donc des terres assez, assez argileuses, assez lourdes et très très bonnes pour les blancs. En fait, elles sont hydromorphes. Elles gardent bien l'eau dans une région où... on n'en a pas toujours beaucoup. C'est très intéressant pour les blancs. Ça amène beaucoup de fraîcheur, en fait. Ça travaille, on va travailler un équilibre très fin et avec une belle vivacité. Et on va pouvoir coupler, alors, on en reparlera en dégustant en bouche, mais on va pouvoir coupler la rondeur, vraiment la générosité des vins du Sud avec une belle vivacité qui va l'équilibrer. Donc, au nez. Le nez est très très fin, c'est très élégant, c'est pas discret mais c'est très fin. On ressent des notes florales, citronnées, légèrement citronnées. Des petits côtés fruits à noyaux, pêche blanche. C'est très élégant. La bouche, l'attaque est tout en douceur. En milieu de bouche, on a un petit côté perlant, à peine perlant, pas vraiment perlant, mais à peine un peu perlant. C'est le gaz qu'on laisse, qu'on n'enlève pas, le gaz résiduel de la fermentation, en fait, qui nous aide à ne pas mettre trop de sulfite dans les vins. On a des doses de sulfite très, très basses. La bouche, donc, ce petit côté perlant, ça réveille vraiment les papilles. On a toujours cette finesse aromatique, très, tout en dentelle, très, très élégante. La finale est vraiment superbement longue et agréable. On va retrouver alors dans ce cas-là un vin qu'on va pouvoir boire à l'apéro, si on est amateur de bon blanc à l'apéro. Et il va surtout pouvoir tenir la table avec des poissons grillés, des poissons en sauce, des fruits de mer évidemment. Tous les plats à base de légumes, des plats végétariens, des petites tartes de légumes. Et on va même pouvoir aller chercher un petit côté épicé parce qu'il a une certaine puissance. Enfin, on sent qu'il va pouvoir tenir des épices. Et puis, je le connais bien. Donc, je sais qu'il va pouvoir tenir des épices comme le curry, un poulet curry, des choses comme ça. Voilà. Grenache Blanc 2019, vin de Pays d'Oc.